Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 8 du Inktober, le thème c'est star, donc étoile, et je me suis foiré. Pour commencer, comme d'habitude, j'avais quelques idées de départ. J'avais commencé par faire un personnage qui était en train de construire une étoile, soit de la construire pour en faire une sorte de vaisseau ou quelque chose comme ça, soit de la réparer en mettant une ampoule à l'intérieur, ce genre de truc. Ça me semblait être une idée assez, on va dire, poétique et qui pouvait être cool à faire, mais allez savoir pourquoi, j'ai décidé de partir sur un truc beaucoup plus compliqué, évidemment, qui est certainement la raison pour laquelle mon dessin d'aujourd'hui ne me plaît pas trop. Et qu'il n'est pas vraiment terminé. J'étais parti du principe que ça pourrait être la lumière qu'il y a sur un fast-food et donc avoir un truc à la fois beau et pas beau. Je parle vachement bien quand je suis fatigué. Et finalement, j'ai décidé de pousser à fond cette idée-là en faisant une sorte de peuple ou une tribu ou une secte ou quelque chose comme ça qui allait vénérer une étoile lumineuse, comme s'ils l'avaient trouvée dans leur monde désertique, apocalyptique, tout ça, et qu'ils en avaient fait un truc incroyable parce que pour eux, c'était quelque chose d'unique. J'ai placé l'étoile, j'ai placé le personnage qui est devant, qui a une sorte de gourou qui fait une incantation. Donc je savais qu'à un moment donné, il faudra prendre le gros marqueur et commencer à dessiner partout, à mettre de l'encre partout, pour noircir pas mal de zones. Donc même sur ce niveau-là, j'ai galéré parce que vous pouvez voir que le coloriage est dégueulasse parce qu'on voit toutes les lignes en termes d'aplats. Et surtout, à mon avis, l'erreur principale de cette illustration, c'était de me dire que j'allais faire une foule complète. C'est marrant parce que foule, ça veut dire complète. Parce que faire une foule, c'est méga galère. Surtout que là, je travaille sur du format assez petit, puisque je suis au format A5 avec un petit marqueur, donc il fallait que je fasse plein de petits bloop 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 bloop. Il y était des gens en essayant de mettre des bras pour faire comme s'ils levaient les bras en l'air. En termes d'éclairage, j'avais même eu une autre idée, c'était celle de mettre des sortes de fils électriques, enfin avec des lampions ou un truc, qui seraient éclairés différemment, qui donneraient une autre source de lumière, mais j'ai pas su comment la gérer. Donc bilan de tout ça, le dessin est pas vraiment terminé aujourd'hui, il me plaît pas. Mais voilà, c'est un dessin qui est pas terminé, c'est pas grave. Même si j'ai du mal à me dire que c'est pas grave parce que ça me met un petit peu en rage quelque part, j'ai pas réussi être assez patient, j'étais trop ambitieux. Et justement, c'est l'une des leçons qu'on peut avoir quand on fait un défi de comme ça, de faire un dessin tous les jours. Même le fait d'essayer de faire une vidéo tous les jours, ça fait partie du truc. C'est que je me rends compte qu'il faut à la fois que je sois patient pour faire les choses, que j'ai des idées qui soient à la fois ambitieuses, originales, mais aussi pas trop ambitieuses parce que sinon ça me demandait trop de temps. Donc ça permet de savoir un peu quand on fait par exemple des commandes pour des clients ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer notre temps, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir combien de temps va prendre telle ou telle idée et ne pas se lancer dans un truc trop long. Ça m'apprend aussi à gérer un peu ma frustration quand j'arrive pas à faire un truc parce que j'ai pas vraiment l'habitude de gérer ça correctement. J'ai tendance à m'énerver, à être un peu et être frustré parce que j'arrive pas à faire quelque chose alors que ça arrive et que c'est pas si grave que ça. Surtout que je suis plutôt content des dessins précédents et que je serai certainement content des dessins suivants. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai remarqué à quelles heures j'étais le plus concentré, le plus productif pour faire mes dessins. Là, j'ai remarqué par exemple qu'aujourd'hui, commencer mon dessin à 19h. J'arrive pas à tenir le coup, étant donné que je me réveille tôt, qu'il y a toute une journée avant, donc l'idée c'est vraiment de dessiner plutôt l'après-midi ou le matin si possible, parce que je sais que j'ai meilleure énergie pour le faire et que ça va souvent mieux, même mentalement on va dire, pour le faire. Donc c'est une bonne partie aussi de l'expérience. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me reposer un peu, je vais aussi poser ce trépied parce que mon bras, il a mal. Ah. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de montrer quand j'arrive pas à faire un truc? Et je me suis dit que bah pourquoi pas parce que ça fait partie de l'expérience et que j'ai autant le montrer pour montrer que j'arrive pas tout le temps, c'est normal. Sur ce, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Et on essaye de rester positif, n'est-ce pas?